Je sais qu'on vous cueille un peu à froid à la fin du film. Mais néanmoins, vous avez là l'équipe, il faut en profiter. Une partie. La meilleure partie. Mais en fait, vous dites ça parce qu'il y a normal, les blogueurs, alors. Normalement, oui. C'est des humains normaux, à peu près. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai une première question pour l'équipe du film, s'il vous plaît? Je sais que c'est toujours la plus difficile. Faites en sorte de la poser à Christian, c'est important. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans le cinéma français. Bah, américain, c'est pareil aussi. Hein. C'est la même hiérarchie. Très chaud, je suis là pour il fait chaud. Ça nous a donc. Ah, merci. Une première question pas sérieuse pour commencer, pour détendre l'atmosphère. Est-ce que monsieur le producteur impose toujours sa présence dans les films qu'il produit? Oh, ça me fait tellement plaisir. Tellement plaisir. Alors là, franchement, vous allez me laisser l'adresse de votre blog, je vais le pourrir. Je vais vous pourrir. Elle est toujours remarquable, elle est toujours très courte. Impose. On ne peut pas. Impose. Christophe, elle n'est pas de ma famille. Elle n'est pas de ta famille, ouais, ça n'empêche. Non. Par contre, elle représente une association de comédiens qui a volé l'emploi, en fait. Voilà. Parce qu'effectivement, je ne suis pas payé pour faire ça. Et donc, oui, j'ai volé l'emploi d'un autre. Avec les 5 millions de chômeurs, c'est pas cool. Hein. J'impose rien. C'est Christian qui m'a proposé. J'ai dit. Oui, j'entends bien, mais je vous réponds sur le même ton. Bon, c'est pas sûr. Ça commence mal. Donc, non, mais là, je n'ai pas été coupé au montage. Parce que sur Joyeux Noël, il m'a coupé. Et sur d'autres films, j'ai été coupé aussi. Ah, t'étais pas très très bon non plus sur Joyeux Noël. Voilà, on y vient. On sent qu'on travaille ensemble de GDG. Je vais répondre sérieusement à votre question blagueuse. Non, blogueuse. Question blogueuse. Excusez-le, il débute dans le métier. Christophe a une envie d'acteur. Voilà. Et il faudra bien trouver un film pour l'assouvir. J'y travaille. Merci Christian. Il me fout la paix ensuite. Il paraît qu'il y a une petite série sur France Télévisions sur des gens qui travaillent dans le métier. Oui, mais moi, je fais pas de série, je travaille dans le cinéma uniquement. S'il me parle de série télé, je. Excuse-moi. Ah, pardon, je ne me parle plus si c'est pour me dire des conneries pareilles. Hein. Non, je plaisante. Est-ce qu'on a des questions pour échanger avec vous? Voilà. Madame. Bon, j'ai beaucoup aimé votre film. Merci, madame. Vraiment beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de caricatures qui ne sont pas, qui n'apparaissent pas, comme on voit dans de nombreux films. J'ai une question à vous poser sur votre scénario. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis complètement rentrée, j'ai pleuré. Enfin bon, vraiment, je suis très très bon public, une vieille cinéphile, très vieille cinéphile, mais là je suis rentrée complètement dedans. Il n'y a qu'un moment où j'ai un peu décroché, c'est le moment où le papa retrouve le petit garçon. Alors je suppose que c'est, est-ce que c'est basé sur un fait réel ou c'est pure invention? Parce que ça c'est un peu gros, disons. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Je vais commencer par le début. Au départ, donc j'ai voulu faire un film parce que ma mère m'avait raconté son exode. Et dans ce qu'elle me racontait, elle m'avait par exemple dit que les gens écrivaient sur les portes des granges à la craie des mots et que ça marchait, que les gens avaient pu se retrouver en se laissant des mots comme ça à droite à gauche et que personne n'effaçait les messages. C'est-à-dire que quand une porte était pleine, on prenait une autre porte. C'était les SMS de l'époque, quelque chose comme ça. Et après, on a fait un appel auprès des gens pour avoir d'autres histoires. Je me suis dit, ma mère, je la connais, j'aimerais bien avoir d'autres témoignages d'Exode. Et on a récupéré beaucoup de choses, vraiment beaucoup, de lettres, d'enregistrements, etc. Et assez souvent, on est tombé sur des retrouvailles totalement inouïes. Alors, j'ai pas d'explication logique pour ces retrouvailles que vous n'avez pas lues, hein, que moi j'ai lues. Où je me disais, mais comment ils ont pu se retrouver dans un tel bordel, puisqu'il y avait 8 millions de personnes sur les routes, etc. Mais, bon, voilà, et puis, évidemment, ils n'ont pas posé de questions, ils sont contents de se retrouver, et basta. Donc, quand on a commencé à écrire le film, le scénario, j'ai transposé cette histoire de message sur les portes, pour le petit garçon, en petits mots sur les tableaux d'école, parce que je trouvais que c'était plus son monde que les grandes portes, et que c'était l'institutrice qui avait initié l'idée, enfin vous avez compris tout ça.
Et on a voulu aussi semer des petits cailloux blancs dans le film. Alors peut-être qu'ils ne sont pas assez blancs. Par exemple, le petit garçon qui explique au début du film que mamie dit qu'on est toujours bien dans les cimetières. Tous ces moments-là qui fait que ce petit garçon qui avance à un moment donné, c'est ce que je laisse supposer. Alors après, si ça n'a pas été perçu, mais un coup pas. Que tombant sur un cimetière britannique, il va se réfugier dans cet endroit. Et pour l'acteur que joue Auguste Hill, il voit cette croix. Des cimetières britanniques, il y en a beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il n'y en a pas quand même 4 au mètre carré. Et comme ils sont sur la même zone, puisqu'ils butent sur les mêmes corps pratiquement de nuit, il trouve sur au petit matin cette croix, il y va. Il a une chance sur peu, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cimetière, et moi je voulais vraiment cette idée de retrouvailles, de bonheur dans un endroit qui est plutôt mortifère. Si vous voulez. Et c'est vraiment cette idée de ce petit garçon, il a un truc avec le cimetière, parce que sa mamie l'emmène tous les dimanches, parce que voilà, il retrouve à peu près le même parfum, je dirais, de cimetière, en Nord-Pas-de-Calais, et il s'y accroche parce que c'est la seule idée qu'il ait. Et que le père, il s'y accroche également. Et on a ce petit moment ténu de retrouvailles. Que j'assume. Tu devrais raconter, Christian, ce qu'une militaire a raconté à Caen. Quelqu'un qui m'a dit l'inverse de vous, qui m'a dit moi j'ai adoré le moment où ils se retrouvent parce que, alors là, elle me sort un truc auquel j'avais jamais pensé. Elle me dit je suis petite fille de militaire et mes papy et mamie m'ont toujours expliqué que si je me perdais un jour, il fallait absolument que j'aille dans un cimetière. J'ai dit mais pourquoi? Ah bah parce que dans un cimetière, il y a toujours un point d'eau. Ok. Je dis respect, je le mettrai dans le DVD. Voilà. Une autre question peut-être pour Olivier ou pour Christophe. Ce n'est pas une question, c'est juste pour vous remercier de ne pas avoir fait un APM complet, d'avoir laissé le chemin se faire pour tous les acteurs. C'est pas courant, donc c'est très agréable aussi. Ah ben ça me fait plaisir. Je ne voulais pas justement... Moi je déteste, par exemple, bon après c'est les goûts et les couleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. Mais il y a des gens qui me disent aussi, mais pourquoi vous n'avez pas... Ils se retrouvèrent 3 ans plus tard, machin devint fils ceci, fils cela, mais moi je dis non. Moi j'avais juste envie là, comme pour The Kid à la fin, qui s'en vont sur un chemin, là c'est pas un papa, un homme et un petit garçon. C'est 2 adultes et un petit garçon qui essaye de faire le trait d'union entre 2 adultes qui ne se connaissent pas, c'est pas gagné. Après, Londres, pas Londres, ça n'est pas une fin suspendue pour faire une suite, on n'aura pas de suite en mai. C'est pas ce que tu m'avais vendu. Ouais. Tu avais dit si ça marche, on fait une suite. Non, même si ça marche, pas de suite. Tu fais rouler, Olivier. Mais j'aime bien le. Puis j'avais vraiment depuis longtemps imaginé ce chemin. C'est un chemin de mon enfance qui m'est très cher. Et de prendre le temps de laisser ces 3-là disparaître. Dans le vent. Avec Morricone. Morricone, puisqu'on en parle. C'est qui? Quand même. Monsieur Morricone. El Maestro. El Maestro. Rare pour un réalisateur français, quand même, d'avoir l'honneur de travailler avec. Ça faisait 30 ans. 30 ans. 30 ans qu'il n'avait pas travaillé pour le cinéma français. Mais c'est pas pour ça que je venais le voir. C'est parce que, au départ, moi j'avais. Je vous cache pas que c'est un film pas facile à produire. Parce que quand j'ai. Pas avec Christophe, on se connaît depuis longtemps, il est comme moi, ch'timi, et donc ces histoires d'exode, on les a tous dans nos familles. Mais quand on est venu voir la Maison Pâtée, la première rencontre avec Jérôme Sédoux, le patron de la maison où vous êtes, n'a pas été, si vous voulez, très simple. Parce qu'il me dit, un film sur l'Exode, il me dit, c'est une France pas belle, c'est une France qui perd, c'est une France qui sombre. J'ai fait l'Exode, moi j'avais 7 ans, ça ne m'a pas du tout amusé. Je dis, bon. Et je dis, écoutez Jérôme, toute proportion gardée. Quand vous avez vu le Titanic, vous savez bien qu'à la fin, le bateau est cool. En mai 40, la France, elle cool. Et c'est pas beau à voir, ça je suis d'accord. Mais sur le Titanic, ce qui nous a plu, c'est que sur le bateau,
il y avait des gens qui n'avaient pas envie de mourir et qui ont cherché, pour certains, à s'en sortir. Et bien, en France, en mai 40, ma mère n'a pas envie de mourir et il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie de disparaître. Je vous propose de faire un film sur ces gens qui essayent de s'en sortir tant bien que mal. On fait oui, bon. Et c'est parti comme ça. Et pour enfoncer le clou, je leur dis, de toute façon, je vais faire un western. Ça, je blaguais pas. Je me suis dit, pour moi, c'est un western, des chevaux, des chariots, des grands espaces. Ok. Et je me suis pris au jeu, c'est-à-dire qu'à l'écriture, avec mes deux complices, on a écouté Ennio Morricone pour se mettre dans l'esprit du western. Donc, je suis revenu à la source, Il était une fois dans l'Ouest, Le bon, la brute, tout. Et après, au montage, je devais travailler avec un autre compositeur qui s'est avéré indisponible. Alors, on s'est dit, et si on essayait avec les musiques de l'écriture pour voir, pour avancer. Et on a monté un film improbable, le film avec, il est une fois dans l'Ouest, Mission, magnifique mission, etc. Et ça marchait du feu de Dieu. Et c'est là que ce monsieur-là, à gauche, me dit, pourquoi on ne demanderait pas Ennio Morricone? Et là, j'ai mis les cinglés. Et en fait, dans mon dos, ils ont pris contact avec Morricone. Et un jour, il me rappelle et il me dit, écoute, on est à deux doigts de trouver un accord avec le maestro, mais il veut te voir. Voilà. Tiens, voilà ton billet pour Rome. Et je me suis retrouvé dans un avion. Et là, c'est très difficile. Parce que, il me reçoit. Je me souviens que dans l'ascenseur qui me monte chez lui, je vois dans ma tête le 45 tours que j'ai acheté en 71. Il était une fois dans l'Ouest, le 45 tours. Avec la photo des types avec les longs manteaux devant le gamin qu'ils vont tuer. Et donc je me suis dit, il ne faut surtout pas que je repense à tout ça, sinon je suis foutu. Et je sors de l'ascenseur, il me reçoit dans son appartement, un immense appartement, au centre-ville de Rome. Il me dit, j'ai racheté à Sophia Loren il y a 30 ans. Je dis, c'est bien. Ça me détend. C'est bien, vous avez bien fait, je pense que c'est un bel achat. Et là, il me reçoit sur un bout de canapé et il me dit, il m'engueule. Il me dit, je travaille pas comme ça. Ça fait 60 ans que je fais ce métier. Oui, je sais. Et il me dit, je reçois les réalisateurs. Ils me racontent leurs histoires. Après, ils vont écrire leur film, et moi, j'écris ma musique. J'enregistre la musique avant le tournage. Donc, il n'y a pas une image. Je donne la musique au réalisateur, qu'il la diffuse ou pas pendant les prises de vue. Et on se retrouve au montage, on a deux jours d'ajustement et basta. Et là, je dis, oui, mais moi, il y a un an, je n'étais même pas dans l'idée de venir vous voir. Donc, si vous pensez que je m'y prends mal et que c'est trop tard, il faut me le dire tout de suite. Et là, il me rigole et il me dit, vous êtes venu avec quelque chose? Et ben, je dis, oui, je suis venu avec deux DVD. J'ai un DVD du montage actuel avec des musiques de vous, beaucoup de vous, mais pas que vous. Et j'ai un DVD sans musique et je vous propose qu'on regarde le film sans musique. Il me dit non. Je voudrais voir le DVD avec les musiques, je veux connaître quels sont vos goûts musicaux. Et là, je dis, ok. J'aurais jamais dû venir avec le DVD musique. Et je dis, ok, j'ai passé l'oral, il n'y a pas de problème. On se retrouve dans une arrière-salle, c'est grand. Hein. Et là, on regarde sur une télévision assez pourrie le film. Alors, il y a un lecteur DVD, il ne retrouve pas la télécommande qui va avec, c'est la traductrice qui trouve. Il met le DVD dedans. Première musique, c'était pas Ennio Morricone. C'était Hans Zimmer. La ligne rouge. J'ai appris après qu'ils avaient eu une histoire. Ça, je ne savais pas à l'époque. Donc, il regarde ça. Moi, je suis assis derrière, je ne peux pas être assis à côté, c'est pas possible. Et il se retourne et il me dit, c'est quoi ça? C'est mauvais. Il me dit, c'est mauvais. Il dit, c'est pas très bien orchestré. Et surtout, il dit, ça ne correspond pas du tout à la séquence d'ouverture quand les gens fuient dans la forêt et qu'ils se font abattre. Et il me dit un tas d'autres choses qu'elle ne me traduit même pas. Elle traduit juste, elle me regarde avec son sourire magnifique et il n'y a pas de son, quoi. Donc, je dis, mais donc, ça ne doit pas être bon. Et là, il est hyper énervé, fatigué, regarde sa montre, c'est foutu. Et il se remet devant le film. Et après, il ne bouge plus.
Et le DVD continue à tourner. Le DVD, il n'a même pas arrêté hein, pendant qu'il me parle, et ça dure. Donc il se remet devant le film, il ne bouge plus. La musique suivante, c'est l'été du Fun Orwell, s'il ne se retourne pas. Et ça dure, gros, 2 heures. Quoi. Et à la fin du faux générique de fin qu'on avait mis à l'époque, à ce moment-là seulement, il se retourne. Et il me regarde, et là, je vois qu'il est profondément ému. Mais vraiment, ou alors c'est l'acteur de la vie. Et il me dit, bello, molto bello. Non, il me dit, le film est très bien, la musique est formidable, sauf la première. J'ai dit, mais oui, mais maestro, moi je ne vais pas racheter les Têtes Fois dans l'Ouest et tout ça. Enfin, c'est des films, c'est des musiques mythiques, je ne peux pas toucher à ça. Même si on en avait les moyens, je ne voudrais pas le faire. Alors là, il se marre et il retraverse tout l'appartement, donc je le suis. Il va dans son bureau, il sort un bout de papier et il me dit, on m'avait envoyé un résumé en italien. Je l'ai lu, et en le lisant, j'ai pensé à ça. C'était des notes. Et il se met au piano. Alors je l'arrête, j'attendais, vous allez jouer là? Il dit, vous savez, quand je m'assois au piano, c'est que je vais jouer. Ah, je dis, là je sors mon iPhone et je dis, attendez, moi je vais vous filmer. Que j'ai besoin de revenir en France avec ce que vous allez interpréter, parce que moi, les notes, ça me dit rien, je ne suis pas musicien. J'ai besoin d'entendre la musique, de vivre un fake et de voir si ça peut marcher ou pas. Il réfléchit, il me dit, faut que ce soit personnel. J'ai montré d'abord à ma mère, et il y a beaucoup d'amis. J'ai énormément d'amis depuis que je connais Ennio Morricone. Et donc, et voilà, et j'ai réécouté ça longuement dans l'avion. Et là, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, un, le thème qu'il a proposé, c'est le thème du film, quand les gens s'en vont, quand le départ du village. Et il me dit, et je me suis dit, ben voilà, il va rentrer dedans. Sauf qu'il me joue ça, et il me dit, voilà, on se revoit en janvier. Et là, on était en novembre. J'y mets entre temps, on se verra plus. Il dit, non, il faut que je travaille. Donc, je me dis, ok, donc il n'y a aucune maquette. Il n'y a rien. Moi, je vais arriver avec ma valise à Rome pour l'enregistrement de la musique. Je ne sais même pas ce qu'il va jouer, quoi. Et ça, c'est hyper dur à accepter. Parce que jusqu'alors, les films que j'ai pu faire, à chaque fois, j'avais des maquettes extrêmement élaborées qui permettent quand même de se rendre compte de ce que ça peut donner. Et là, il n'y a rien du tout, bien sûr. Même pire, il m'appelle à le début de 2015. Il me dit « Bon, bonne année ». Il me dit « J'ai pensé à un autre thème ». Oh merde. Ah oui, c'est Morricone. Il dit, oui, puis je pourrais pas vous. Je peux pas vous faire d'enregistrement, ça ne sert à rien. Non, mais je vous jouerai dans le studio. C'est horrible. Je vais me retrouver avec tous les musiciens, il va le jouer, puis il va se tourner vers moi en me demandant si ça me plaît, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Et enfin. Alors, bon, il fonctionne comme ça, et puis on est arrivé. Alors, je donne les dates parce que ça. C'est, on a oublié des choses, mais on a enregistré, nous, le 12 janvier 2015. Et le 12, c'est un lundi, vous pouvez vérifier. Et la veille, le dimanche 11, on a été nombreux en France à marcher pour les massacres de Charlie Hebdo. Ce qui fait que nous, quand on arrive à Rome le dimanche 11 au soir, on est désenchanté, on est perdu. Moi, j'avais perdu la foi. On est très choqué, quoi. Et le lendemain, le 12. Il nous attend devant son studio qui est construit sous une église romaine, ça ne s'invente pas. Et là, il nous attend avec la une de la Repubblica, qui est la photo bleu, blanc, rouge, vous savez, le drapeau et tous les gens derrière. Place de la Bastille. Place de la Bastille qui a fait le tour du monde. Il m'attend avec ça. On rentre dans le studio, il y a 60 musiciens debout, une minute de silence. Fin de la minute, il se tourne vers moi, il fait « Cinéma ». Eh ben j'ai fini par faire comme vous. C'est-à-dire que ça m'a décontracté, ça m'a plus que décontracté. Ça m'a carrément remis sur pied. Parce que, et il me dit, on va commencer par le thème dont je vous ai parlé, je ne sais pas quoi faire. Et il joue un truc qui est juste sublimissime, mais en écoutant ça, nous on s'est complètement remis dans l'envie de faire. C'était sa façon de nous dire, plus que jamais, il faut faire la musique du film, plus que jamais il faut faire du cinéma, plus que jamais on ne doit pas se laisser abattre. Et il joue un truc, moi j'appelle le boléro de Morricone. C'est un truc qui démarre doucement et qui monte et qui monte, qui dure 8 minutes. Et à la fin d'une 8 minutes, on était tous pétris, enfin pas pétrifiés, on était complètement sciés par ce qu'il avait joué. Il dit oui, je sais, c'est bien. Mais il dit où est-ce qu'on va le mettre?
c'est 8 minutes. Je dis, mais c'est vrai que 8 minutes, ça se passe pas comme ça. Il dit, je sais pas. Et donc, on a cherché, on a fait glisser la musique dans plusieurs endroits du film. Il y a un endroit où on a eu un frisson. C'est quand l'institutrice détourne le village et fait réciter Le Lion et le Rat, Jean de La Fontaine, aux enfants, pour qu'ils ne voient pas ce qui s'est passé en profondeur. Et là, la musique, elle prenait une tournure particulière. Donc on l'a mis là. Christian, je me permets de te couper là sur le maestro, malheureusement. Ouais, je suis désolé. Il faut y aller déjà ? Non, mais il ne nous reste que 10 minutes. C'est trop long. Parce qu'en fait, nos amis... Il ne faut pas me parler de Morricone. Je suis désolé, c'est de ma faute. Nos amis repartent dans une autre projection ensuite. Vous savez si vous avez des questions. Une autre projection chez Pathé ? Non, parce qu'on n'a qu'une salle en fait. On a des cinémas. Comment avez-vous fait pour le casting international ? Alors, il y avait des acteurs pour qui c'était évident tout de suite, dont ce monsieur. Mais je le dis parce qu'il est là. Non, je dis ça, j'ai dit partout et je le dis en sa présence encore plus. Moi, j'ai vraiment écrit pour Olivier Grand. Mon grand-père, il joue mon grand-père. Et mon grand-père, voilà, radical socialiste, qui est parti avec la Marianne sous le bras en disant on ne peut pas laisser ça aux Allemands, qui emmène tout un village derrière lui. J'ai pensé que Olivier avait l'étoffe pour jouer ça. Heureusement, elle a dit oui. Mathilde Seigné, je voulais la retrouver parce que j'ai fait un film il y a 15 ans qui s'appelle Une hirondelle le printemps avec elle. Et j'avais envie de retravailler avec elle. Et je pensais que ça ferait un beau couple. Alice, quelqu'un qui arrivait tard dans le casting, mais je ne regrette pas du tout. C'est quelqu'un qui m'a épaté et qui amène à cette institutrice, qui est toute petite au début avec 80% de subvention pour une éolienne. Et puis, au fur et à mesure, l'exode va lui permettre de grandir, en fait, de devenir adulte et changer de vie sur le pont à la fin. Et puis, les acteurs étrangers. Auguste, je l'avais croisé pour Joyeux Noël, il y a quelques temps. Ça ne s'était pas fait à l'époque. J'avais gardé en mémoire, et puis je l'ai revu, j'ai dîné avec lui, il avait pris 10 ans de plus, comme moi. Et il avait deux enfants en bas âge. Et je me suis dit, lui, il va faire un bon papa. Après, il y a qui ? Ah, il y a Matthew Rhys qui joue l'Écossais. Alors lui, j'avais vu dans une série que j'adore qui s'appelle The Americans. Il est juste topissime. Et j'ai fait un Skype avec lui, parce qu'il est à New York. Et en fait, le Skype m'a plu, mais pas de sa faute. Parce qu'il vit, il a chez lui un Dalmatien qui adore se faire filmer. Donc en fait, sur le Skype, je n'ai vu que le chien qui est venu au premier plan, avec sa barbe qui coule. Et derrière, quelqu'un qui essaye de me parler. Et au bout d'une demi-heure, je me suis dit, putain, un acteur qui se fait voler à la vedette par son chien, j'adore. Moi. Et donc, je l'ai pris. Et il me l'amène beaucoup au film. Puis il y a le petit garçon. Alors lui, ça a été des semaines et des semaines de casting en Allemagne, à Berlin, à Munich et compagnie. Et je suis tombé sur ce gosse, 8 ans, parle 3 langues. Mais surtout, voilà, vous lui donnez 2 ou 3 indications et puis il va vous faire la scène magnifiquement, enfin avec un naturel à tomber par terre, en 2-3 prises. Après 3 prises, ça ennuie, il ne fait plus. Il mettait une pression sur les acteurs, je faisais 2-3 prises, c'est terminé. Et puis il y a Laurent Gérard, dont c'était le premier rôle au cinéma. Et voilà, et je vis à Lyon, moi, en fait, hein, et je le vois très souvent. Et je l'avais vu dans un téléfilm dans lequel il était formidable, c'était L'Escalier de Fer. Donc je suis allé le voir et j'écoute, j'ai un rôle pour toi, c'est un fontainier. C'est un mec qui s'occupe d'un château d'eau. Et il a une cave exceptionnelle. Ah. On a commencé à discuter. Et voilà, et je sais pas qui j'oublie, non je, le... voilà. Je crois qu'il y en a Jacques Bonafé. Jacques Bonafé, le régional de l'État. Il est doué. Et qui joue celui qui dit toujours non. En France, il y a toujours quelqu'un qui dit non. Sinon, il y a un problème. C'est la République. La République. Est-ce que votre mère, du coup, elle a vu le film ? Ah, j'ai montré le film à ma mère pour ses 90 ans, en juillet dernier. Je ne peux pas tout vous dire de ce qu'elle m'a dit. Elle m'a juste autorisé à vous le montrer. Merci, maman. J'ai le label. J'ai le label de ma mère. Joséphine.
Et une noire aussi. Ouais. Qui est devenue la mascotte et la star du film. Ça vous gêne qu'on fasse un parallèle entre votre film et l'actualité aujourd'hui pas avec les migrants ? Pas du tout. Enfin, je trouve terrible qu'on puisse faire un parallèle. Ça veut dire que les choses se répètent. Mais évidemment que quand moi, comme vous, je n'ai pas calculé ça, vous en doutez bien, puisque le film démarre l'écriture il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, l'actualité nous rattrape avec une violence inouïe. Et quand je vois les images comme vous à la télévision, franchement, je pense à mes parents et mes grands-parents, qui eux aussi ont dû partir, pas de gaieté de cœur, et avec une énergie du désespoir, une envie de s'en sortir coûte que coûte, que je retrouve dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, si vous voulez. Et c'est ce que me disait ma mère, elle me disait, nous n'étions pas les bienvenus en mes 40 ans. Elle disait, je voyais au loin les portes et les volets se fermer, parce que celui qui va à pied n'est jamais le bienvenu. Ben, c'est terriblement vrai aujourd'hui aussi. En plus, il n'a pas la même couleur de peau, alors là. Mais bien sûr que l'actualité est forte. Et voilà, il y a 8 millions de personnes sur les routes en France en 40. C'est un quart de la population française. Hein. On est 40 millions à l'époque. Là, on n'est pas 60, on est 40. Un quart. Un cinquième. 20 000. Un cinquième. En Belgique, c'est un cinquième. Oui, en France, c'est peut-être un quart. Des gens plus. En Belgique, nous, on est un peu. Non. 8 à 10 millions. Les spécialistes disent qu'il y a 8 à 10 millions de gens sur les routes. On ne les a pas comptés un à un. Selon la préfecture ou selon l'organisateur. Selon l'organisateur. L'organisateur de la commission. Oui, bonjour. J'ai deux questions, une pour vous, une pour Olivier. Olivier, comment avez-vous abordé le rôle justement du maire, qui est le personnage important dans les petites campagnes? Et juste pour vous, est-ce que c'était important de pouvoir montrer aussi qu'il y avait pas seulement eu les Anglais, les Allemands et les Français, mais qu'il y avait aussi eu des régiments qui venaient des anciennes colonies? Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent justement dans ce type de film. Mais le scénario était très bien écrit. Moi, quand j'ai lu le scénario, je connaissais Christophe qui m'avait parlé que Christian était en écriture et qui pensait à un rôle pour moi dont le maire du village, et je n'en savais pas plus, donc je l'ai attendu avec impatience parce que j'aime le cinéma de Christian. Cette envie de toucher à la fois un grand public et avec toujours au fond une forme concrètement et réellement humaine, parce que ce film a une vraie humanité, je trouve, dans les personnages. Chaque personnage est défendu, a une raison d'être dans le film. Il m'a tout de suite. Enfin, moi, j'ai dit à Christian, voilà, c'est pas un personnage, c'est la République. C'est le discours républicain dans le sens noble du terme, c'est-à-dire dans le sens où ce sont des valeurs essentielles, enfin que moi je trouve essentielles. Après, c'est un autre débat sur la liberté, l'égalité, la fraternité, sur la solidarité. Voilà. Et je trouvais que rien que ça, c'était la. Enfin, pour moi, c'était l'importance. C'est pas une leçon le film du tout, parce que jamais il appuie, etc. C'est distillé comme ça, l'air de rien. Mais en même temps, ce discours qui rassemble et qui emmène les gens vers une solidarité sur un accueil, parce que moi j'ai une autre histoire. Mon père est parti en exode et il me dit encore aujourd'hui, heureusement que des gens nous ont accueillis, parce qu'ils sont partis de Belgique. Il dit, nous, on a eu de la chance. Quelqu'un nous a ouvert sa maison, nous a donné à manger, nous a nourris. Il dit, aujourd'hui, l'accueil, c'est important. Donc voilà, on a parlé de ça. Il m'a dit, mon grand-père avait cette conviction profonde de la République et le sens du devoir de l'élu, c'est-à-dire que le sens prioritaire de s'occuper du bien-être de ses concitoyens et pas de son ego et de sa fonction, et de pas de chercher à être élu. Et donc moi ça me touche, parce que les histoires qui me touchent, ce sont les histoires profondément humaines et des gens auxquels je peux m'identifier, et de ces petites gens qui font l'histoire et qui font l'universalité et l'émotion au cinéma. Voilà, on l'a abordé comme ça. Après, sur le plateau, il m'a jamais dit « mon grand-père bougeait comme ceci, comme cela, j'avais la liberté d'être moi-même ». Voilà. Au départ, il ne voulait pas que j'aie une barbe, finalement j'avais une barbe. Enfin, il m'a laissé libre dans ça. Il n'y avait pas de pression d'être absolument l'imitation de son grand-père. Et, comme il le disait, il pensait que j'avais, alors merci, l'étoffe de pouvoir incarner cette autorité humaine. Et c'est vrai que moi, à travers les choix que je fais en général au cinéma, j'essaye de raconter les petites gens. Et ces petites gens de la ruralité, ils me sont chers, parce que je viens de là aussi. Mon père est fermier, mon frère est fermier. Et voilà, et ça me touche. Et ce métier, je le fais pour le plaisir d'abord. Et mon plaisir, c'est de raconter ces gens-là.
plus que des héros, ou des... même si j'adore le cinéma de divertissement et que je peux aller voir des films, des spectacles, etc. Mais mon plaisir d'acteur, c'est de, voilà, de toucher avec des émotions auxquelles moi je peux m'identifier. Je suis pas très malin, j'ai besoin de ressentir les choses à travers mon corps pour pouvoir ressentir l'émotion que ces gens-là ont peut-être ressentie. À travailler comme ça, simplement, gentiment. Christian est quelqu'un de profondément humain. C'est important aussi à la première rencontre d'avoir, de voir que c'est quelqu'un avec qui on va avoir énormément de plaisir de travailler. On va le faire dans la douceur, dans la simplicité. Dans, voilà. Et c'est le cas, c'est rare. Enfin, c'est rare. J'en ai rencontré beaucoup, mais je suis attiré par ce, bah, ce bonhomme. Moi, on sera une autre. C'est un vrai bonhomme, quoi. Lui aussi, des ch'tifs. Enfin, lui dit toujours, je suis né du mauvais côté de la frontière. Du côté français, c'est pas de bol quand même. À moins d'un kilomètre de la frontière belge, je vous promets, c'est l'horreur. Et tout est mieux de l'autre côté. Mais si... Et nous, on dit l'inverse de l'autre côté. Bah, arrête, tu dis pas ça de la France. Personne dit ça de la France. Oh, ça, oh arrête. Hein. Bon, la bonne conclusion. Bim. Bim. Je vais répondre sur la partie carrière sénégalais. Le point de départ, c'est que j'ai découvert qu'il y avait eu des espèces de petits commandos de cinéastes allemands qui étaient envoyés pour faire la propagande, bien sûr, et que j'avais découvert qu'à certains endroits, ils avaient carrément pris des prisonniers pour reconstituer des combats pour être dans le vrai, en donnant des armes chargées à blanc, etc. Et quand ils tombaient sur des tirailleurs sénégalais, ils faisaient quand même des films en disant que c'était une catégorie B. Et il y a des endroits où ils ont trouvé des prisonniers britanniques, à Hasbrook. Là, ils ont pu faire un film de catégorie A. Là, je me dis, non, il faut que je me paye. Enfin, j'avais envie de traiter ce personnage du cinéaste, parce que, d'abord, j'ai jamais vu ça au cinéma, premièrement. Deuxièmement, c'est fascinant, je les ai vus, les films nazis, hein, et ils sont bien faits. Je ne partage pas. Mais techniquement, ça m'a fait chier, quoi. Et je me suis dit, bon, alors je vais m'en payer un et je vais essayer de faire en sorte qu'il ait une résonance avec le personnage du film. Et j'ai pris le moment où il y a les tirailleurs sénégalais parce que là, c'est toute l'horreur de l'idéologie nazie dans toute sa splendeur. Et voilà. Il faut trouver l'acteur pour le faire. Désolé, j'ai le très mauvais rôle, mais il faut que je te mette sur un taxi-moto. Donc, en tirant un peu une minute, peut-être on peut poser une dernière question, mais rapide, si vous en avez encore une autre question. Et vous êtes choisi. Oui, alors, petite question, toute simple, ça va être la question qu'on pose, à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Est-ce que vous avez conscience, avec ce film, de réhabiliter un peu la phrase de Chateaubriand qui disait que le voyageur est devenu un historien ? En fait, la question que je me pose derrière, c'est, au final, est-ce que la mémoire de votre mère ne vous sert pas aujourd'hui à raconter une histoire, celle d'une France qu'on a peut-être un peu trop oubliée, parce que l'Exode, même dans les films récemment, que ce soit Patrick Jeudy, ou il n'y en a pas eu beaucoup des films ces 15 dernières années sur l'Exode. Donc est-ce qu'au final, vous n'êtes pas en train de réhabiliter une histoire de la France qu'on avait peut-être un peu oubliée? Voilà. Pas faux. non, mais je trouve que c'est une histoire qui mérite d'être ramenée à la surface. Elle est enfouie, je suis d'accord avec vous. Et dans les livres d'histoire, c'est une ligne. Non, c'est plus qu'une ligne. Et l'historien avec qui j'ai travaillé, Olivier Villorca, m'a expliqué la vraie fracture de la Seconde Guerre mondiale démarre avec l'Exode. Un peuple abandonné par ses autorités, un peuple qui va douter, un peuple à partir de là où certains vont résister, d'autres vont se soumettre, enfin bref, tout se joue sur les routes de France pendant un mois et demi. Jeune homme, ne gardez plus jamais ce type de questions pour la dernière minute. Je vous en prie. Merci à vous. Je suis désolé de couper la soirée.